Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. C'est une petite communication ce matin. Je voudrais ce matin profiter pour parler aux partisans de Laurent Gbagbo, aux partisans d'Henri Konan Bédié, qui depuis l'arrestation de nos forces de défense et de sécurité, continuent d'apporter leur soutien à la junte malienne. Ils dénigrent la Côte d'Ivoire, ils rencontrent n'importe quoi sur les réseaux sociaux, ils partagent toutes les communications des cyberactivistes pour Assimi Goïta, alors que ce sont des Ivoiriens. Je n'ai pas de problème avec le fait que vous soutenez Assimi Goïta. Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. C'est votre choix, nous sommes en démocratie. Donc, nous respectons votre choix qui consiste à soutenir Assimi Goïta. Parce que c'est ça aussi, un combat. Mais je souhaitais que vous ayez quand même une conscience. Parce que tout combat qu'on mène là, on doit aussi avoir une mémoire. On doit avoir une mémoire. Henri Konan Bédié a géré la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a gouverné la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié a gouverné la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro a occupé 60% du territoire national. De la même manière que des djihadistes occupent aujourd'hui 60% de l'autre côté du Mali, et Laurent Gbagbo avait 40%. Aujourd'hui, comme on appelle ça, Assimi Goïta, qui a fait ses deux coups d'État, j'ai aujourd'hui 40% du Mali. Depuis quelques jours, vous êtes dans des inbox, vous menacez. Vous menacez vos propres frères ivoiriens parce qu'ils défendent leur propre pays. Mais sachez que vos captures d'écran, là, c'est-à-dire quel que soit le profit que vous menez, le profil que vous menez, mais c'est-à-dire derrière lequel vous vous cachez, on sait qui vous êtes. Je vous dis toujours que la technologie, là, aujourd'hui, c'est tellement développé. De là où tu es, puis tu fais tes commentaires, là, nous, on sait. Moi, en Côte d'Ivoire, ici, là, il y a des gens, au début, là, ils menaçaient beaucoup. Mais quand je rentre à Abidjan, là, après, je m'en vais dans leur famille. Et ils sont surpris de me voir. Après, ce sont les pardons. Vous êtes libre de soutenir Assimi Goïta. Nous, on ne peut pas vous menacer. Donc, ne nous menacez pas de mort. Ne nous menacez pas de mort parce que c'est très dangereux. Vous soutenez Assimi, nous, on ne vous menace pas de mort parce que c'est votre choix. Si vous pensez que soutenir Assimi Goïta au profit de votre pays, la Côte d'Ivoire, vous arrange, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas dans un combat de haine contre qui que ce soit. Vous êtes libre de ne pas aimer le président Ouattara. Mais à chaque fois, je vous répète que moi, Zazoula, je n'ai jamais été FPI. Je n'ai jamais été partisan de Gbagbo. Mais quand la Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, j'ai soutenu le régime de Gbagbo. Je sais ce qui s'est passé entre Guéï et Gbagbo. Quand il y a eu le coup d'État de 99 contre Bédié, moi j'ai condamné le coup d'État de 99. Donc souvent, nous on rit quand vous vous comportez de la sorte. Ça dit, on a l'impression que vous soutenez des gens que vous ne connaissez pas, leur histoire politique. Avant de soutenir un homme politique, il faut connaître son histoire. Il faut savoir d'où vient. Il faut savoir d'où vient. Il ne faut pas être dans le fanatisme, l'ignorance. On vous demande souvent, je vous pose la question, pourquoi vous soutenez Gbagbo? Dites-moi pourquoi vous soutenez Gbagbo. Gbagbo, là, il l'a fait parler avec Guéï Robert. Après le coup d'État de 99 contre Bédié, Gbagbo a fait parler avec Guéï, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Nous, en soutenant le pouvoir, c'était la Côte d'Ivoire qu'on protégeait. On était informés qu'un coup d'État se préparait au Mali depuis le Burkina. C'est sur Guéï que les soldats sont allés au Burkina.
La plupart des soldats qui sont partis les ont attaqués la résidence de Gueye, qu'on appelait le complot du cheval blanc. Donc, il n'y a rien ici aujourd'hui qui peut nous échapper dans notre pays. Mais Gbagbo a été informé de tout. Même le coup d'État contre Bédié était informé. Les premières personnalités, le coup d'État contre Bédié, les premières personnalités qui étaient dans les rues, au plateau avec les soldats, c'était les leaders Kwasi. C'était les Odette Soui. Le coup d'État de 99, là, les premières personnalités qui étaient dans les rues, avec les militaires au plateau, c'était les cadres du FPI. Ils sont là et puis je parle. Et je dis leur nom. Et parmi eux là, personne ne peut dire ça sur moi. Moi, je vous dis ça toujours. Les premières personnalités qui ont soutenu le coup d'État contre Guéhi Oubert et contre Bédié, qui étaient dans les rues et qui disaient aux militaires, ne baissez pas les bras. C'était le cadre du FPI. Donc, nous, on n'a pas de problème quand nous, on fait nos vidéos. Nous, on a une connaissance, on est témoin, on est là, on est témoin. Mais quand on parle en tant qu'Ivoirien, c'est notre pays. C'est-à-dire, le père, le grand-père de chacun s'est battu pour que ce pays soit ce pays. Moi, mon grand-père, c'est un grand planteur, il avait des hectares. Mais son argent, là, il payait impôts, taxes, tout. Donc, ça a permis de développer ce pays. Non, pour ce pays-là, je peux dire ce que je pense et puis personne ne peut me faire quoi que ce soit. Personne. Personne. Depuis des années, je vous dis toujours que moi, personne ne peut me menacer dans mon propre pays. Personne. Tu vas me menacer par rapport à quoi? Tu vas me menacer par rapport à quoi? Tu as choisi d'être propre, Gbagbo, c'est ton problème. Moi, je m'en fous de ça. Et puis, ce n'est pas parce que Gbagbo est bêté que je vais être avec Gbagbo. C'est de l'ignorance. C'est que tu n'as pas été à l'école. Tu n'as pas été à l'école. Si tu dois soutenir Gbagbo parce que tu es un Gbagbo, tu veux insulter les gens, c'est que tu n'as jamais été à l'école. Tu es nul, tu es broussant, c'est tout, ça s'arrête là. Nous sommes des démocrates. Gbagbo a fait la politique sous Oufuè Boigny. C'est Oufuè qui a donné l'indépendance à ce pays. Mais Gbagbo a critiqué Oufuè Boigny. Gbagbo, là, il a critiqué Oufuè Boigny. Il a combattu Oufuè Boigny. Il était un Français. Quand il combattait Oufuè, il était en France. Il est passé par le Burkina Faso. Il a eu le soutien de Blaise Compaoré. Il est là et puis nous on parle. Comment je parle à lui, il est là. Gbagbo a été soutenu par le Burkina dans sa lutte de clandestinité contre Oufuè Boigny. La plupart de tous vos cadres dormaient au Burkina Faso. Ce n'est pas nous les assos qui dormaient là-bas. Quand vos cadres étaient au Burkina, les assos n'étaient pas là-bas. Quand vos cadres s'appuyaient sur le Burkina pour déstabiliser Oufuè Boigny, là, nous les assos, on n'était pas là. Aujourd'hui, quand on parle là, on parle parce qu'on est des Ivoiriens, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Vous menacez les gens, vous envoyez des messages de mort, des messages de mort, des messages de mort. Quand on va aller demain dans vos familles, on va vous prendre, vous allez encore demander des pardons. Arrêtez de distraire les gens avec vos menaces. Arrêtez de distraire les gens avec vous. Et cherchez à connaître l'histoire de vos dirigeants, l'histoire de vos leaders. Nous, nos parents là, ils ont souffert pendant la lutte des guébiers. Nos parents là, ils ont souffert. Les événements là sont arrivés jusqu'à dans nos villages. Dans nos villages. Notre combat aujourd'hui, c'est de donner la Côte d'Ivoire à quelqu'un qui va défendre la Côte d'Ivoire, qui va protéger la Côte d'Ivoire. Et le président Ouattara, il est aujourd'hui l'un des dirigeants qui sécurise la Côte d'Ivoire. Ça, moi, en tant qu'intellectuel, voilà ce qui est ma priorité. Voilà ce qui est ma priorité. Je soutiens Ouattara en toute liberté. Je l'ai soutenu depuis le temps de Gbagbo. Gbagbo était au pouvoir. Vous aviez les armes. C'est-à-dire, vous étiez en train de cracher, vous tous. Et moi, j'ai pris position pour le président Ouattara. Parce qu'après, c'était moi, j'ai compris que Gbagbo mentait. Je ne peux pas mener un combat, me mettre dans les rues pendant des années, accusant le Burkina d'être à la base de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et à la dernière minute, vous signez des accords avec le Burkina. Vous signez à la dernière minute des accords avec Diom Soro. Diom Soro devient ministre. Nos amis sont morts. En 2002, les événements, tout ce qui c'est, beaucoup de nos amis sont tombés. Ils sont morts. Mais vous les mêmes, là, après, là, vous êtes allés signer accord avec Diom Soro. Mais on pouvait régler ce problème depuis. Parce que quand la rébellion se préparait au Burkina, Gbagbo avait été informé. Gbagbo savait.
Bagou avait été informé, il savait, vos cadres, Boga Doudou, Lida Kwasi, sont passés sur les chaînes de télévision. Quand il y a eu le complot contre où on attaquait la RTI, qu'on appelle le complot de la Mercedes noire, vos cadres du FPI sont montés sur nos chaînes de télévision pour dire on maîtrise tous les mercenaires et autres qui sont au Burkina. Les hôtels, les restaurants où ils dorment, on sait tout. Mais c'est nous les assos, on disait, au lieu de rester à Abidjan pour dire on sait tout, allez-y au Burkina pour discuter. Au lieu de rester à Abidjan et puis menacer Blaise, Blaise est votre allié dans l'opposition, allez-y discuter avec lui. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Zassou est vendu. Zassou est traite. Zassou, là, il ne mange, Zassou mange pas. Zassou a faim. Zassou est ceci. Zassou est cela. Alors qu'on essayait de vous interpeller. Aujourd'hui, vous avez toujours ce même slogan. Un parti politique doit former ses militants, doit éduquer ses militants. Des militants ne peuvent pas être au tal de l'ignorance. Des militants doivent être des intellectuels. Un militant qui est dans un parti politique doit connaître l'histoire de son parti. Il doit connaître, parce que si tu ne connais pas l'histoire de ton parti, tu ne peux rien apporter à ton parti. Tu es dedans comme ça, comme un supporter, comme tout le monde applaudit, toi tu applaudis. Tu ne sais pas pourquoi tu es militant de ce parti. Tu milites, c'est une décision que tu prends. Tu ne peux pas rester dans l'ignorance. Insulter les gens, menacer les gens, tu applaudis. Non, ce n'est pas ça. Un militant, là, il doit connaître son parti politique. Il doit connaître son pays. Tu viens militer parce que tu veux apporter ton intelligence, ce que tu as dans ta tête, à ton pays. C'est pour ça que tu viens militer. Les gens viennent militer parce qu'ils sont de telles régions, ils sont de telles familles, ou bien ils sont de telles religions. C'est tout. C'est tout. Derrière ça, il n'y a rien. Mais après, là, ça ne dure pas. Quand tu soutiens l'ethnie, la religion et autres, ça ne dure pas. J'ai dit ça toujours, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Vous, les pro-Babo, aujourd'hui, vous soutenez Assimi Goïta. Mais en même temps, vous soutenez Assimi Goïta, nous, on ne se plaint pas. Parce que pour vous, là, Assimi Goïta peut chasser le président Ouattara du pouvoir. Du Mali, c'est-à-dire le Mali peut être une base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je n'accepterai jamais que le Mali soit une base arrière. Le Burkina était une base arrière. Il y a eu quoi? Il y a eu des morts. Le nord a été cassé. L'ouest a été détruit. Des fils des régions se sont entretués. L'armée de Gbagbo, l'armée de Soro se sont affrontés pendant. Nos frères, nos enfants sont morts. Ils ont recruté des gens dans la sous-région. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes militants de ces partis-là. C'est vous qui avez la grande gueule, c'est vous qui menacez les gens. Vous étiez où quand la rébellion rentrait dans un pays? Vous étiez où quand Gbagbo Ogeyi se battait? Vous étiez où? Sortez du fanatisme, puis arrêtez de menacer vos amis. Parce que de toute façon, vous menacez, là, on peut vous menacer aussi. Nul n'a le monopole de la violence. Moi, je dis ça toujours. Nul n'a le monopole de la violence. Qu'est-ce qu'en 10 ans de pouvoir, vous n'avez pas fait? Qui vous n'avez pas menacé? Quel assassinat qu'on n'a pas connu? Quelle tentative d'assassinat qu'on n'a pas connu? Pourquoi aujourd'hui vous nous effrayez? Non, soyez serein. Soyez serein. Aujourd'hui, là, tu finis de menacer, là, on peut te trouver chez toi à la maison. Là où tu es, puis tu crois que tu menaces, on peut te trouver là-bas. Vous n'êtes pas obligé de créer des faux profils. Exposez-vous. 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 Voilà des gens qui se disent intellectuels et qui n'ont même pas d'argument. Mais si tu es intellectuel, viens argumenter. Va parler à tes amis. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui défendent leur pays, vous les menacez. Parce que vous êtes limités. C'est une forme de dictature. C'est-à-dire, quand vous criez, on est démocrate. Mais quand tu es démocrate, là, quand tu finis de parler, là, accepte qu'on te réponde. Quand tu finis, là, il faut accepter qu'on te réponde. Parce que personne n'est ton mouton. Personne n'est ton mouton. Tu as mis quand depuis, on te suit. Tout ce que tu as dit, on va dire oui, oui, non. Nous sommes en démocratie. Et la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Donc nous, là, nous défendons la Côte d'Ivoire dignement parce que c'est la terre de nos ancêtres. Et nous, on ne peut pas reculer devant vos émotions, votre ignorance. Nos aînés ont mené des luttes, beaucoup sont morts. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous distraire.
De 2002 à 2010, vous avez dirigé la Côte d'Ivoire. Moi, je vous ai laissé en 2006 parce que votre lutte n'était pas cessée. Tous les Burkinabés, les hommes d'affaires Burkinabés avaient de gros marchés en Côte d'Ivoire. Mais nous, à son temps-là, nous, on faisait nos petites affaires. Quel petit marché on nous a donné? Quel financement on a obtenu sous Babou? Rien. Mais tous les marchés étaient au Burkinabé. Alors que c'est de là-bas que la rébellion est quittée. Vous avez signé vos accords de Ouagadougou, vous avez signé des partenariats avec eux. Vous avez dealé avec eux. Beaucoup de milliards sont rentrés au Burkina. Plus de 200 milliards de francs CFA qui sont rentrés au Burkina à cause des accords de Ouagadougou. Selon Babou, on fait leur deal. Ils nous ont posé des accords de Ouagadougou qui ont fait rentrer beaucoup d'argent au Burkina. Blaise Aïe assez. Et vous pensez que moi, Zasso, je vais venir m'arrêter là pour vous faire plaisir? Non, vous pouvez être ignorant, ça c'est votre problème. Ça, vous avez choisi d'être ce que vous êtes. On ne peut pas vous changer, c'est votre choix. On ne peut jamais vous changer, c'est votre choix. Vous avez décidé de rester dans ça. Replier sur vous, vivre en autarcie et tourner comme des rats qui sont dans des trous. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on a été à l'école. On s'est assis sur des bancs à l'école. Non, on s'est dit non quand il s'agit de dire non. On s'est dit oui quand il s'agit de dire oui. Nos parents payent nos études. Le vieux là, il prend son champ de maïs, manioc, tout, banane, et puis payer nos études, café, cacao. Non, moi je ne peux pas venir rester là à être un abruti, tu vas toujours rester là, applaudir les gens, dire que tout est bon. Non, ce n'est pas bon, je te dis que ce n'est pas bon. Je suis un responsable. Vous, tu ne soutenez Assimi Goïta, c'est votre choix. C'est votre choix. Si vous êtes aujourd'hui d'accord pour qu'une rébellion quitte depuis le Mali, pour rentrer en Côte d'Ivoire, tuer vos frères, mais c'est votre choix. La rébellion du Burkina est quittée au Burkina, ça a tué beaucoup. Beaucoup sont morts. La rébellion est quittée au Burkina, beaucoup sont morts. Ils ont eu quel. On a fait funérailles où? Ils ont laissé beaucoup d'orphelins. Tous nos parents qui sont tombés, tous ces Ivoiriens qui sont morts ont laissé beaucoup d'orphelins. De veuves. En tout cas, il y a eu des vies qu'on a détruites. Non, si aujourd'hui vous pensez que soutenir Assimi Goïta, parce que Assimi Goïta est avec mais la Russie là, je vais vous dire la vérité. Parce qu'on a l'impression que vous ne suivez pas les événements au plan mondial. Ça dit tout ce qui se passe dans le monde là, vous ne savez même pas ce qui se passe. Étudiez beaucoup, renseignez-vous beaucoup, sortez beaucoup, allez-y, cherchez à vous cultiver. Cherchez à vous cultiver. L'indépendance, là, c'est la conscience. C'est-à-dire dans la tête, là, la liberté dans votre tête. Si dans votre tête, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez jamais sauver l'Afrique. Vous ne pouvez pas. Nos, vos parents ont mené des luttes d'indépendance. Ils vous ont confié des espaces. À vous de faire de sorte que ces pays-là deviennent des grands pays. Quand on vous donne le pouvoir, là, protéger le pays, défendez le pays. Parce que les autres sont morts pour ça. On vous donne le pouvoir, vous-même, vous avez chassé Guy Robert du pouvoir avec l'appui de la France socialiste. Mais nous, on sait. Sociaux, on sait. Si la France socialiste soutenait Guy Robert allait être président. Mais vous, là, la France socialiste vous a soutenu. Les Lionel Jospin, les, comme on appelle les François Hollande, étaient les représentants du parti socialiste en Afrique. C'est eux qui ont menacé Guy Robert face à Babo. Des militaires se sont associés à tout ça. Et vous avez pris le pouvoir dans les mains de Gueye. Mais Gueye a perdu beaucoup de ses femmes, de ses hommes. Beaucoup sont allés en exil. Beaucoup sont tombés. Je vous dis ça parce que c'est important pour vous. Vous ne pouvez pas être des militaires, c'est-à-dire des militants, des cadres d'un parti, et puis vous oubliez vous-même votre propre histoire, votre parcours. Et c'est le parcours des autres qui vous intéresse, alors que vous, vous avez dirigé le pays. Oui, aujourd'hui, moi, Zasso, quand je parle, je suis à l'aise. Ouattara au pouvoir, moi, je suis là. Le bilan du président Ouattara, c'est mon bilan. Si demain, ça n'a pas marché, j'assume. Pendant qu'il est là, je lui dis que c'est comme ça, monsieur le président, parce qu'il est au palais. C'est pas tout, il voit. Donc, moi, Zasso, je peux venir me lever pour dire, président, là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon, parce que moi, je me bats pour que le RHDP conserve le pouvoir. Mon combat, c'est la conservation du pouvoir qui vous a manqué, vous, le FPI. Ça vous a manqué. Moi, je suis dans un combat de conservation du pouvoir. On a conquéri le pouvoir. On est en plein exercice du pouvoir. Aujourd'hui,
Mon combat, c'est qu'après 2025, le RHD peut continuer d'être au pouvoir. Même si le président Ouattara s'en va. Mais on doit continuer de rester comme ça se fait en Afrique du Sud. Donc moi, j'ai une autre vision. Moi, j'ai déjà une autre vision. Moi, je pense à demain. Moi, je ne suis pas... Vous soutenez Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, il a fait un coup d'État. Assimi Goïta, que vous, les pro-Babo, vous soutenez, il a fait un coup d'État. Envoyez-moi ma vidéo, chers amis. Quand vous êtes connectés, envoyez ma vidéo. C'est vrai, on a été restreint depuis un certain moment donné parce qu'on nous a trop signalé. Assimi Goïta, là, il a beaucoup d'argent maintenant. Au lieu de chercher à nourrir les Burkinabés et les Maliens, il finance des cyberactivistes, il finance des individus pour déstabiliser nos pages. Mais nous, on n'a pas de problème. Nous, on continue. On continue. On n'a pas de problème. C'est ce qu'on va finir de parler là. Ça va aller partout. Moi, quand je finis de parler là, j'amène ma vidéo partout. Donc, je n'ai pas de problème. Vous soutenez Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta, elle a fait un coup d'État. Assimi Goïta a fait un coup d'État. En 2002, John Soros a fait une tentative de coup d'État qui s'est transformée en une rébellion. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé dans ce pays? Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Aujourd'hui, vous soutenez une junte militaire. Vous, les pro-Babo. Aujourd'hui, vous soutenez une junte militaire, vous, les pro-Babo. Alors que pendant des années, vous étiez dans les rues ici, la France, ceci, la France, cela. Vous prenez vos échecs pour, c'est-à-dire, accuser toujours les autres. En 10 ans de pouvoir, qu'est-ce qu'on n'a pas attendu ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu dans ce pays en 10 ans de pouvoir? On vous a donné le pays. Vous n'avez même pas protégé la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas défendu les Ivoiriens. Et c'est vous qui applaudissez aujourd'hui Assimi Goïta alors que vous avez combattu Soro pendant des années. Nombreux de nos amis sont morts. Nombreux sont morts. Moi, je connais beaucoup de mes amis qui sont tombés. Beaucoup. Mais pour leur mémoire, nous, on reste constant. Moi, Zasso, je reste constant pour tous ces gens qui sont tombés. Et je le dis... Il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va me fragiliser. Il n'y en a pas. Moi, j'ai une histoire politique. Je suis un civil. Je ne suis pas militaire. Je n'ai jamais été gendarme. Je n'ai pas pris fusil. Je n'ai pas tué quelqu'un pour narguer quelqu'un. Moi, je ne suis pas comme ça. Dans ce pays, il n'y a pas quelqu'un qui va dire Zasso a pris les armes, il allait faire la guerre. Je ne suis pas militaire. Je ne suis pas milicien. Je suis un citoyen plein. Je suis un civil. Je dis ce que je pense en tant qu'homme politique. J'ai fait le choix de faire la politique. Ah oui? Je ne suis pas comme ces Djedjé qui sont à Paris. Djedjé qui est à Paris, qui est soutenu. Aujourd'hui, tous se soutiennent Assimi Goïta. Mais vous étiez des militaires dans ce pays. Vous étiez des militaires dans ce pays. Je sais ce que vous avez fait en tant que soldat quand vous étiez un Babo. Moi, Zasso, je sais. Quand vous étiez un Babo, là, moi, je sais ce que vous avez fait dans ce pays. Aujourd'hui, vous êtes devenus des cyberactivistes. Vous narguez les gens. Vous êtes devenus des cyberactifs, vous narguez des gens, mais moi je connais votre projet. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, c'est qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire, vous allez revenir vous venger. Assimi Goïta va faire du Mali, votre base, et puis vous allez venir attaquer encore les Ivoiriens, prendre vos armes, et puis tuer les Ivoiriens et vous venger. Nous, on ne va pas vous donner cette chance. Je suis désolé, mais on ne vous donnera pas cette chance. Parce qu'un militant normal, consciencieux, sérieux, un militant normal, consciencieux, sérieux, ne peut pas soutenir Assimi Goïta. Parce que vous avez dirigé le pays. Vous avez gouverné le pays. Vous avez gouverné la Côte d'Ivoire. Vous avez eu plus de 10 ans de pouvoir. Diom Soro a eu combien de 8 ans à gérer le Nord. Massacré. Aujourd'hui, Boaké. C'est pour ça que je salue les ministres à Kony Amadou qui sont en train de faire des efforts. Le ministre des Transports, là, qui sont en train de faire des efforts pour développer Boaké. J'ai été à Boaké. Aujourd'hui, des Ivoiriens consciencieux sont en train de faire des efforts pour relancer l'image de Boaké. L'Ouest, Diokou et Dutrojan, il y a eu trop de morts. Vous soutenez Assimi Goïta au nom d'une lutte. Assimi Goïta ne mène pas de combat. Non. Ce qui se passe là, au Mali, là, c'est un échec des intellectuels maliens.
c'est un échec pour toute l'Afrique. Ce qui se passe en Guinée, c'est un échec. Ce qui se passe au Burkina, c'est un échec pour toute l'Afrique. Parce que souvent, de façon abusive, vous pensez que vous êtes en train de sauver l'Afrique. Vous ne sauvez pas l'Afrique. Le Ghana qui a commencé par des coups d'État, le Ghana finit en démocratie. Nous, on a été reçus par Rollins, quand moi j'étais au Ghana. Rollins nous a reçus, on a parlé avec lui. La plupart de ceux qui font des coups d'État en Afrique, là, ils ne pourront rien apporter à vos continents. Et je vous dis ça chaque jour. Ce n'est pas des gens qui ont une volonté de changer les choses. Ils veulent juste pour s'enrichir. Dans le populisme, rester dans le populisme, vous narguez. Ils ne viennent pas pour changer les choses. Mais on est là. Gueye a fait coup d'État. Gueye a fait coup d'État. Le même Gueye a été renversé par le FPI. Parce que Gueye est venu s'allier au FPI. Il a commencé à mener combat des régions. Et les gens sont allés à Gagnon, ont dit à Gueye, Gueye avait une cérémonie à Gagnon, une tournée. Ils sont allés là-bas, ont dit à Gueye, bon, comme c'est maintenant nous les gens de l'Ouest qui sommes au pouvoir, on n'a qu'à être ensemble. Mais j'ai dit à certains de mes frères, j'ai dit, mais c'est des erreurs graves. Quand vous prenez le pouvoir pour tous les Ivoiriens. Ne prenez pas le pouvoir pour sauver vos ethnies, vos régions, vos tuyaux, vos luttes. Et ces gens de lutte-là ne vont pas quelque part. Moi, j'ai dit ça à mes cadres. J'ai dit, si vous prenez Gueye pour dire que oui, le combat là, on n'a qu'à, nous les gens de l'Ouest, on n'a qu'à prendre le pouvoir. Les années qui arrivent là, le pouvoir va vous échapper. Et je dis ça à qui veut l'entendre. Le pouvoir là va vous échapper. Les Rollins là, quand eux faisaient leur coup d'État, c'était pour que le Ghana soit un pays stable. Le Ghana pose les bases d'une vraie démocratie. Qu'au Ghana aujourd'hui, arrivé aujourd'hui au Ghana, il n'y a pas de différence entre les ethnies. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est discipliné. Les religieux, tout le monde est discipliné. Les rois et chefs coutumiers sont respectés. Parce que le combat de Rollins, c'était un combat pour sauver véritablement le Ghana. Il s'est fait de grands partenaires dans le monde. Le Ghana est devenu aujourd'hui un État puissant et fort. Vos gens, là, quand ils font des coups d'État, c'est pour venir se mettre en famille. Humilier d'autres groupes ethniques, fragiliser d'autres groupes ethniques. Former des populistes, des démagogues, des instruments qui vont passer leur temps à insulter, à dénigrer. Et la pauvreté augmente chaque jour. La pauvreté augmente chaque jour. Quand Rollins, là, lui, là, il a un côté polonais. Il a fait les grandes armées, il sait ce que lui voulait. Aujourd'hui, il a regardé le Ghana et puis regardez dans vos sous-régions. Regardez dans vos sous-régions. Les gagnants qui étaient nombreux dans nos états ne sont plus là. Les gagnants là, ils sont dans les affaires. Ils sont dans les affaires. Vous n'allez jamais voir les gagnants venir sur ma page Facebook m'insulter. Alors que beaucoup parlent français, on a mis. Mais est-ce que vous avez bien vu des gagnants faire des posts, des vidéos, Zasso Tamerkan, Zasso qui est comme ça, Zasso qui est ceci? Non, ils n'ont pas ce temps. Ils n'ont pas ce temps. Et souvent même, ils me demandent, mais Patrick, pourquoi les gens t'insultent? Je dis, moi-même, je ne sais pas. Mais ce que tu dis là, qu'est-ce que... Je dis, je ne sais pas. Non, c'est la haine. Parce qu'on vous a habitué à la haine. On vous a habitué pendant des années à la haine. Donc, vous êtes devenu, c'est-à-dire, on vous a fomenté les consciences. Mais ça, là, vous ne pouvez pas renouer avec. Plus tu es dans la haine, tu ne vois plus clair. Ce qui se passe au Mali, là, c'est un échec. Des militaires, au lieu de faire, de combattre les djihadistes, les terroristes, viennent renverser un régime légalement élu. Un président qui a été élu par le peuple, des gens viennent le renverser avec la bénédiction des imams au Mali. Et les mêmes là, ils finissent des coups d'État, ils font deux coups d'État entre eux. Assimi Goïta paye les armes, mais Ibeka a payé les mêmes armes à la Russie. La coopération Russie, Mali là, ça date des années, ce n'est pas maintenant. La Russie est toujours au Mali. La Russie a toujours été au Mali. Ce n'est pas nouveau, vous ne m'enseignez rien. Parce que moi, je prends mes nuits à veiller et à me renseigner, à comprendre les choses. Donc, vous ne m'enseignez rien. Moi, personnellement, vous ne m'enseignez rien. J'ai lu l'histoire de la Russie. J'ai lu l'histoire de Poutine. Poutine, là, il n'a pas fait coup d'État. Poutine a fait les services de renseignement.
Poutine a soutenu, il a suivi la légalité des choses. Il a été le choix du président qui est parti. Poutine n'a jamais fait de coup d'État. Jamais. Il a fait les services de renseignement, il a fait l'Allemagne. Il s'est formé bien, un intellectuel. Aujourd'hui, il fait des merveilles, il a réussi à relever la Russie. Vous êtes là, non, Poutine? Poutine, vous pensez que Poutine, c'est un broussard? C'est pas un broussard. Hein? Moi, là, je suis pro-Poutine. Moi, je suis pro-Poutine. Regardez dans mes trucs, vous allez voir. J'ai publié des choses. Je suis pro-Poutine. Moi, j'ai été reçu par l'ambassadeur de la Russie. En Suisse, j'ai envoyé un courrier. L'ambassadeur m'a reçu. J'ai mon nom là-bas. Et l'année prochaine, même là, je m'en vais en vacances en Russie. Moi-même, en vacances, je m'en vais en Russie. J'ai mes amis. Je vais partir, je vois l'ambassadeur, je vais en Russie. Je serai là-bas, puis il va faire vidéo, vous allez voir. Il va faire vidéo, vous allez voir. Vous êtes des plaisantins. Vous soutenez Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta a la tête d'un pays qui est coupé en deux depuis des années. Le Mali est divisé en deux. Le premier président malien qui a donné l'indépendance au Mali a été victime de coup d'État. Donc on est dans une malédiction qui ne dit pas son nom. On atteint un niveau de malédiction aujourd'hui qui n'atteint plus son nom. Le premier président a été victime d'un coup d'État. Donc le Mali partira de coup d'État en coup d'État. Le Mali va aller de coup d'État en coup d'État. Hein? Aujourd'hui, regardez Assimi Goïta. Il ne se déplace plus. Depuis qu'on a attaqué le camp, il a monté les faux coulants. Lui-même, là, il s'est enfermé. Et regardez aujourd'hui au Mali. Assimi Goïta, vous l'avez une fois vu? Dans le peuple? Organiser des espaces, expliquer son combat au peuple. Non. Il a recruté des griots. Il a recruté des griots parce que politique même, il ne connaît pas. Les armes qu'il achète là, Ibeka a payé les mêmes armes. Ibeka a rencontré Poutine. Ibeka a donné l'argent à la Russie et la Russie a donné les mêmes armes. Non, je ne vois pas en quoi vous pouvez intimider les gens. Il faut être quand même, c'est quand même irresponsable. Je trouve irresponsable que vous puissiez soutenir Assimi Goïta. Là où Soro, là, on a combattu Soro dans ce pays, il a voulu faire coup d'État. Qui s'est transformé en une rébellion. Mais vous avez trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Vous avez menti aux Ivoiriens. Non, vous ne voulez plus que les assos vous dénoncent. Non, vous exposez une haine, vous menacez. Parce que vous avez menti aux Ivoiriens pendant 10 ans de pouvoir. Signer encore avec Guillaume Soro. Aller signer des partenariats avec Guillaume Soro. Guillaume Soro qui était votre propre fils spirituel, qui dormait à maman. Guillaume Soro mangeait ce babou, il faisait tout. Il vous a imposé une rébellion pendant 8 ans. Et vous pensez que c'est sous notre régime qu'il va avoir rébellion? Vous trompez. Quand nous on communique là, c'est pour ouvrir les yeux de certains même de nos frères qui dirigent la Côte d'Ivoire. Pour dire qu'on ne va pas tomber dans les erreurs du régime Bakou. La Russie, là, la Russie est au Mali il y a longtemps. La Russie est au Mali. Et puis les djihadistes contrôlent 60% du territoire. Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des business. Je vous ai entendu dire, j'ai entendu, voilà, une communication des pro-Babo qu'ils m'envoient. Vous faites rire, hein? Ils appellent Papa Babo. Papa Babo. C'est écrit Papa Babo. Papa Babo. Partagez la vidéo, chers amis. Déjà, un pays africain pouvait chasser la France. Non, c'est que vous n'avez même pas suivi le débat. Ce matin, j'ai publié une vidéo où le président français, Emmanuel Macron, a dit sans les troupes françaises, il est à peu près sûr aujourd'hui que le Mali ne serait plus un pays uni. Mais ce Macron, c'est un message qu'il vous envoie. Pour ce que beaucoup ne savent pas, parce que je vois les gens racontent trop de conneries. Ça dit, arrêtez de mentir aux Maliens. Arrêtez de mentir aux Maliens. Parce que là-bas, là, 80% de la population a l'alphabet. Et tous ces bambaras, ils parlent. Ils croient qu'aujourd'hui, Assimi Goïta, mais il y a combien de coups d'État
qui a eu lieu au Mali. Combien de coups d'État? Combien de coups d'État? Combien de présidents qui ont été élus démocratiquement et qui ont été renversés par les militaires? Un pays où l'armée est désorganisée, désordonnée, indisciplinée. Une armée qui ne connaît même pas sa place. Une armée qui confond de tout. Qui sont même des partenaires des djihadistes. Parce que les djihadistes, les indépendantistes qui occupent les 60% du Mali sont des Maliens. C'est moi qui vous dis ça toujours. C'est moi qui vous dis ça toujours. Ici, là, ce n'est pas Soro qui avait la tête de la rébellion. Mais Soro était un Ivoirien. Et qui allait recruter des gens. Soro était un Ivoirien. Avec qui Gbagbo signait les accords. Aujourd'hui, il y a des accords d'Alger aujourd'hui au Mali. Où plus de 26 000 combattants. 26 000 combattants vont intégrer l'armée malienne. Plus de 26 000 combattants, c'est-à-dire les djihadistes, là, vont intégrer l'armée malienne. Actuellement, c'est bloqué. Assimi Goïta, là, 2 ans, il a du pain sur la planche. 2 ans. 2 ans, eux, ils ne sont pas prêts à déposer les armes. Là, ils ne sont pas intégrés. Parce qu'ils se disent qu'Assimi Goïta a pris les armes, eux aussi, ils ont pris les armes. Il n'y a pas quelqu'un qui va contrôler quelqu'un. C'est dans ça qu'on est au Mali. Hein. La Russie ne peut rien faire. La Russie, là, elle peut vous vendre ses armes. Les mêmes armes qu'elle vous vend de façon illégale, là, elle peut vendre aussi aux terroristes. Parce que c'est un business. Ce que vous ne savez pas, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Les mêmes armes qu'on vous donne, là, tout ce qui peut faire tomber ces armes, les bombarder, là, on peut vendre ça même aux terroristes. Aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, la France n'a plus de contrôle sur tout ce qui va rentrer au Mali. La France dont vous parlez tant, en 2002, quand il y a eu la rébellion en Côte d'Ivoire, quand Gbagbo n'a pas su protéger le pays, il n'a pas su défendre la Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui a appelé la France à venir s'interposer entre Soro et lui. C'est Gbagbo. En 2002, c'est Gbagbo qui a appelé la France à s'interposer entre la France, et entre lui et Soro. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est Gbagbo. Il avait son armée. Il a préféré aller chercher la France pour le mettre entre lui et Soro. On est resté dans ça 8 ans. On allait à Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Togo, Mali, partout. C'est pas allé quelque part. Ibeka. Quand le Mali, en 2013, les djihadistes s'apprêtaient à prendre Bamako, c'est Ibeka qui a appelé la France. La France n'est pas venue d'elle-même. Non. Et je voudrais profiter pour dire certaines vérités à certains individus. Qu'il ne faut pas d'efforts à étudier, à s'informer, qui ne voyagent pas, vous ne sortez même pas. Chers amis, merci Salifou Koulibaly, l'histoire est un témoignage. Merci Koulibaly Salifou, l'histoire est un témoignage. Quand tu ne connais pas l'histoire de ton pays, tu ne peux rien apporter à ton pays. Tu divagues, tu insultes, tu menaces, tu es dans les jus, tu mets les têtes de mort, tu signales les vidéos, tu bloques parce que tu es nul. Tu es nul. Tu es nul. Quand on n'a plus d'arguments, on menace. Nous, on ne menace pas parce que nous, on a des arguments. Nous, on sait de quoi on parle. Nous, là, on sait de quoi on parle. Nous, on sait de quoi on parle. C'est Ibeka qui appelait l'armée, qui appelait la France. La France, aujourd'hui, le PIB du Mali, la France contribue à 40%. J'entends des gens dire, non, Assimi Goïta se bat pour l'Afrique. De quelle Afrique vous parlez même? Assimi Goïta se bat pour l'indépendance, la souveraineté, la dignité de l'Afrique. Mais quand même, prenez-vous au sérieux quand même. Vous avez été à l'école? Mais prenez-vous au sérieux. De quelle Afrique vous parlez?
Vous pensez qu'elle est gagnée? Vous avez une fois vu le Ghana se lever pour dire Assimi Goïta, nous on te soutient? Ils n'ont même pas ce temps. Vous avez vu que les Ghanéens dans vos bêtises là, ils ne s'intéressent pas à ça. Parce qu'ils connaissent l'histoire du Ghana. Ils savent comment Kwame Nkrumah est mort. Aujourd'hui là, les Ghanéens ne sont pas dans vos conneries. Le Nigeria n'est pas dans vos conneries. Les pays maghrébiens ne sont pas dans vos conneries. L'Afrique du Sud n'est pas dans vos conneries. Tous ces pays, Tanzanie et autres, ne sont pas dans vos conneries que vous appelez lutte d'indépendance et de souveraineté. Eux là, ils reconnaissent déjà qu'ils sont indépendants et ils sont souverains. Allez-y en Tanzanie, vous allez voir en Tanzanie, des petits pays. Vous allez voir des merveilles que ces pays-là font. Allez-y au Kenya, les gens travaillent. Vous, ici, vous êtes dans l'ignorance totale. En train de manipuler des jeunes, des enfants, leur faire croire que vous menez un combat d'indépendance. Vos enfants ne vont pas à l'école. Vous n'arrivez pas à habiller vos enfants, les mettre à l'école, les nourrir, s'occuper de vous. Et vous êtes là, oui, on ne sait pas, toi-même tu ne manges pas. Tu n'as même pas maison pour dormir. Tu n'as même pas maison pour dormir. Tu n'as rien. Tu es pauvre. Et c'est toi qui es toujours là. On se bat pour notre Afrique dignité. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as pas de dignité. Tu ne peux jamais prendre tes enfants pour les amener à Cap Sud, Cap Nord. Pour dire à mes enfants, allez-y, vous allez prendre glace, faire ceci. Tu ne peux pas. Et c'est toi qui dis, on se bat pour notre... Quelle dignité? De quelle dignité vous parlez? La dignité doit commencer par vous-même, votre propre vie. Ça doit commencer par vous-même, votre propre vie. La vie de vos régions, vos villages. Quand on va commencer à développer nos villes, nos villages partout, il y aura nourriture, il y aura tout, café, cacao, agriculture, c'est là qu'on parlera de dignité. Tu as assis quelque part là-bas, c'est toi qui as la grande gueule, c'est toi qui insultes les gens, c'est toi qui menaces les gens. Nous, on fait des efforts pour que le pays évolue, pour que les enfants aient accès à l'école, à la science, à l'éducation, à la formation. Vous, vous êtes assis là, il n'y a qu'à voir la guerre. Enfin, il n'y a personne qui peut renverser le président Ouattara dans le pays. Il n'y en a pas. C'est moi qui vous dis ça. Il n'y a pas un soldat dans l'armée qui va tenter un coup d'état. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Et nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps. Nous sommes à l'heure de la globalisation et de la mondialisation. En matière de technologie, nous sommes allés très loin. Ce n'est pas dans notre pays maintenant qu'on fait coup d'état, non. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en chantier. Assimi Goïta, il a pris nos soldats. Et vous, vous l'applaudissez. Mais il a pris là, il a ça. Nous là, il ne va pas nous faire du chantage. On ne va pas céder. Et ce que vous ne savez pas, Assimi Goïta, tant que nous, la Côte d'Ivoire, lui donne l'argent. BCAO, là, c'est pour nous. Et moi, là, c'est nous, on contrôle. Tant que nous, on ne se donne pas signature, Assimi Goïta n'a pas l'argent. Aujourd'hui, les fonctionnaires maliens ne sont pas payés. Un jour va venir, vous allez m'appeler ici. Les Maliens vont se soulever contre Assimi Goïta. Ils voulaient nous faire du chantage en arrêtant nos soldats, mais nous, là, on a porté la réplique sur les réseaux sociaux. Allez-y sur les pages sur Facebook. Des pro Assimi Goïta, c'est nous les assauts, on attaque matin, midi, soir, c'est nous. Ah oui, finalement, leur Sekou qui est devenu leur cyberactiviste célèbre, à qui le premier ministre et autres donnent tous les moyens. Aujourd'hui, sur sa page, là, ses assauts, il met, parce qu'il connaît. Lui-même, il dit aux gens, il dit, assauts, là, il connaît l'histoire. Moi, je connais l'histoire. Moi, je connais l'histoire. J'enseigne. J'essaie de transformer les consciences. Parce que je suis témoin des crises dans mon pays. Je suis témoin des crises dans mon pays. J'ai vécu. Quand je partais, beaucoup d'Ivoiriens mouraient. J'ai vu le sang des milliers d'Ivoiriens versé. J'étais là les derniers moments. Non, je ne peux pas aujourd'hui venir me comporter comme un clown, comme un idiot. Alors que j'ai vu mes frères mourir. Venir encourager des États africains qui vont signer des choses, des deals avec certains Ivoiriens pour préparer un coup d'État, une insurrection contre la Côte d'Ivoire, déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est que je ne suis. C'est-à-dire que je n'ai pas de conscience. C'est que je n'ai pas de conscience. La rébellion de 2002 a fait du tort
Beaucoup de ceux qui parlent, ils ont fui quand Soro était dans la rébellion. Ils ont fui, ils sont tous rentrés en Europe. Pourquoi ils ne sont pas restés dans le Nord à développer le Nord? Ils sont tous en Europe aujourd'hui. Ils ont profité de la rébellion de Soro pour aller en Europe. Ils font des vidéos, ils insultent. Ils font des vidéos, ils insultent. Je les regarde, mon chéri. Chers amis pro-Gabo, regardez votre président avec Bédié. On arrête à nos soldats, ils sont muets, ils ne parlent pas. C'est pour Pichérine Balé que Babo parle. Moi, j'ai dit aux gens du pouvoir, j'ai dit, Babo, là, si vous voulez donner ce que vous voulez, donner à Bédié ce que vous voulez, dans leur tête, là, il faut qu'on renverse Ouattara. Il faut qu'on fasse coup d'état contre Ouattara. Il faut qu'on arrête Ouattara. Il faut qu'on mette Ouattara en prison. Il faut que tous les proches de Ouattara soient en prison. Moi, je leur ai déjà dit. J'ai dit, vous pouvez faire donner tout ce que vous voulez. C'est vos problèmes. C'est vos droits. Mais moi, je vous dis, Babo, Bédié et autres, là, leur seul projet, c'est que Ouattara soit tombé. Je vous dis ça en même temps. Moi, c'est ça qui est leur seul projet. C'est pour ça qu'on m'insulte. C'est pour ça que les gens m'insultent. Pourquoi les sous les m'insultent? Ils me renversent, ils font tout. Parce qu'ils savent que je dérange. Je dérange. Et plus personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Je ne suis pas militaire. Je suis de la société. Moi, je suis de la société civile. Je suis un Ivoirien. Je n'ai jamais pris de fusil. Je n'ai jamais fait la guerre. Voilà. Donc, je continuerai de défendre mon pays sans état d'âme. Je l'ai fait pour Bédié. J'ai défendu Bédié. J'ai défendu Babo. Je vais défendre le président Ouattara. On ne peut pas m'enlever ça. J'ai combattu la rébellion du Soro sous Babo. On m'a chassé. Les gens, leurs agouras, ils m'ont chassé. Ils m'ont agressé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Moi, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont où les pro-Babo qui m'insultaient hier, qui me traitaient de tout, sont où? Faisons attention, hein, le combat qu'on mène là, c'est pour demain. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand on vous parle, écoutez, prenez note. Prenez note et puis essayez de changer vos comportements. Essayez de revoir beaucoup de choses. Ne restez pas dans la haine, dans les injures. Parce que demain, on ne connaît pas. Je vous ai parlé là, vous m'avez traité de tout, de quelqu'un qui a faim, qui ne voulait pas ceci, qui ne voulait pas ça. Aujourd'hui, vous étiez tous en exil avec moi au Ghana. Beaucoup aujourd'hui, là, leurs propres femmes, des gens ont pris leurs propres femmes. En Côte d'Ivoire, ils étaient puissants, riches. Ils avaient de grosses voitures, ils n'écoutaient personne, insolents, irrespectueux. Mais aujourd'hui, au Ghana, il y a des enfants qui ont rasé, les Ghanais même ont pris beaucoup de leurs femmes, leurs dignes femmes. Les gens ont pris parce qu'ils n'avaient plus rien. Parce qu'ils n'avaient plus rien. Leurs enfants sont abandonnés. Leurs enfants ne vont plus à l'école, ils souffrent. Mais nous, les assos, on est restés stables. Moi, je suis resté stable. Voilà. Parce que moi, là, j'ai dit aux gens qu'on sait comment ça commence, mais on ne sait pas comment ça se termine. Donc, je suis déjà préparé à ça. Dès que je suis arrivé au Ghana, j'ai fait mes champs, mes plantations, j'ai investi dedans, dans mes petites affaires. Ils vont se rendre compte, Zassou est en Europe, ils commencent maintenant à raconter du n'importe quoi. Mais moi, je suis un intellectuel, je peux être pour ça. Regardez aujourd'hui, Mali. Tous les Maliens traversent nos frontières chaque jour sont en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de stabilité au Mali. Plus Assimi Goïta est là, plus il n'y a pas de stabilité. Assimi Goïta se limite à Bamako. Le pouvoir d'Assimi Goïta se limite à Bamako. Le pouvoir d'Assimi Goïta se limite à Bamako. Assimi Goïta ne peut rien faire. Il ne peut même pas désarmer les gens. Il ne peut pas. La France, là, elle est partie d'elle-même. Comme vous, vous n'avez pas honte. Vous, les pro-Babo, vous n'avez pas honte. La France est partie d'elle-même. Macron, là, il a gagné les élections. Moi, je l'aime, je l'apprécie, je suis fier de lui. Macron est un digne fils. Macron a affronté le système. Il n'était pas d'accord avec François Hollande. Mais Macron, là, il a pris le pouvoir, il a convaincu les Français. Il a convaincu la jeunesse. Il a eu de grands partenaires, il est aujourd'hui président de la France. Vous demandez à Macron de s'attendre à un putschiste? Non, jamais. Vous demandez à Macron d'être allié au Assimi Goïta, traité avec Assimi Goïta? Non. Macron ne peut pas être ami à Assimi Goïta. Il ne peut pas s'attendre avec Assimi Goïta. Ce n'est pas possible. Il a été élu démocratiquement. Et il essaie de dire à la jeunesse africaine que lui n'a pas vécu la colonisation. Pendant que vous vous faites otage de la colonisation, lui dit, je n'ai pas vécu la colonisation. Je suis d'une nouvelle génération. Les Français ont des priorités. Mes petits frères veulent aller à l'école.
Ils veulent aller en vacances. Ils veulent faire ceci, des formations, l'éducation, la santé, les quoi, les Français. Mais Macron est préoccupé par ça. Macron s'en fout de votre combat d'indépendance. Il n'a pas vécu ça. La colonisation n'était pas là. Il est né hier. Quelqu'un qui est né hier, tu dis, n'a qu'à gérer par l'âme de tes parents. Mais c'est parce que tu n'as pas de vision que toi, tu veux toujours t'accrocher aux palabres. C'est parce que vous n'avez pas de rêve pour vos petits frères, pour ces enfants qui naissent, pour vos femmes, pour vos grands-parents, pour vos tantes, pour vos cousins. Vous n'avez pas de projet pour eux. Donc tout ce que vous faites, c'est de vous accrocher à des faux palabres qui les appauvrissent, qui les rendent malheureux, qui font que ces enfants ne s'en sortent pas. Colonisation, colonisation. On a été, mais vous êtes colonisé, ça suffit, passez à autre chose. On vous a colonisé, ça suffit, passez à autre chose. Développez vos villes, créez des emplois, faites les routes. Il faut que les produits de vos parents quittent les campements, les quoi. Il faut rendre vos populations heureuses. Rendez vos populations heureuses. Vous soutenez Assimi Goïta qui va payer de vieux armes. Vous soutenez Assimi Goïta qui paye de vieux armes. Quelqu'un même qui ne connaît rien, il est nul. Voilà votre slogan, my gars. Voilà ici. Voilà hier. Voilà hier. Votre ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop s'est trompé hier dans son téléphone. Sa conversation privée est sortie. La conversation privée d'Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères, s'est sortie, sa conversation privée. La France est partie d'elle-même. Sogol était à l'Assemblée. Votre Sogol qui est aujourd'hui malade. Votre Sogol ou quoi on appelle le ministre de quoi là? Premier ministre, il est où aujourd'hui? Il a piqué AVC. Aujourd'hui, on l'a remplacé par un militaire. Aujourd'hui, tout le monde grogne au Mali parce qu'Assimi Goïta vient installer un pouvoir militaire. Voilà ce que le ministre des Affaires étrangères dit. Et je lis, hein, Abdoulaye Diop, le ministre, c'est son téléphone, hein, il a fait une erreur. Et les gens, c'est parti sur sa part et les gens ont récupéré ça rapidement. À cette allure, ça devient pesant. À cette allure, ça devient pesant. On a remplacé l'ancien premier ministre qui se disait, qui combattait la France, qui insultait la France. On l'a remplacé par un militaire. Les gens ne sont pas d'accord. On dit non, il faut que ça soit un civil. Parce que quand on a fait le coup d'État, c'est entre nous les civils et l'armée, on s'est attendu, on a chassé Ibeka. Non, le pouvoir là, nous aussi, on doit être dedans. On ne peut plus accepter que les militaires contrôlent tout. Aujourd'hui, les militaires veulent tout contrôler. Alors que les civils ont aidé Assimi Goïta à prendre le pouvoir. C'est eux qui ont lancé la révolution à Bamako. La chute de Ibeka a commencé par la rue, par les imams, l'imam Diko et autres qui ont appelé le peuple à se lever. Et jusqu'à présent, on n'explique même pas aux Maliens pourquoi ils ont chassé Ibeka. Je demande ça à l'heure, c'est pour eux. Dites-nous pourquoi vous avez chassé Ibeka. Il n'y a pas de raison. C'était la haine, le mensonge, le populisme, la propagande, l'instrumentalisation des esprits faibles. Et on a chassé un président que le peuple a élu. Vous qui renversez les présidents élus démocratiquement, c'est vous qui parlez de panafricanisme. Un président a été élu par le peuple. Vous vous levez, vous le renversez. Et vous parlez de démocratie. Non, la démocratie n'existe pas au Mali. Le Mali, c'est une jungle. C'est une jungle. Voilà le ministre des Affaires étrangères. Je vais m'arrêter là. À cette allure, ça devient pesant. J'ai longuement échangé avec le PR. Il m'a semblé l'air très cheval avec ses frères. Il m'a semblé l'air très à cheval avec ses frères d'armes sur l'idée d'un régime totalement militaire. Écoutez bien, c'est au Mali. C'est au Mali, ça se passe. Le premier ministre Diop, il s'est fait trahir. Lui-même, son propre message l'expose. Je lui ai donné mon avis sur cette question et invité à faire preuve de résilience
et de maturité. C'est Diop qui parle. Il demande à Sozo, à Sini Goïta, de faire preuve de résilience et de maturité. Shogel, point d'interrogation. Pas d'information, mais j'essaierai après la prière. Bon dimanche. Par rapport à Shogel, pas d'information. Shogel est parti. On l'a enlevé. Shogel Maïga n'est plus premier ministre. On l'a enlevé. Il va se traiter. Il est dépassé par les événements. Il a été frappé par un AVC. Nous prions pour lui. Nous prions pour lui. Sa femme a demandé qu'on l'emmène en France. Le pouvoir, la junte militaire refuse. Maintenant, il ne peut plus revenir être ministre, premier ministre. Il n'est plus dans les conditions nécessaires. Il n'est plus dans les conditions nécessaires. Donc, on a mis maintenant un militaire. J'espère que vous avez lu, j'ai lu, vous avez attendu. Hein. Je relis, hein, c'est Diop qui parle. Parce que les gens se plaignent, ont dit maintenant, le ministre que vous avez, le premier ministre, c'est un militaire. Nous, on ne veut pas, nous les civils. C'est-à-dire, ceux qui ont soutenu Assimi Goïta à renverser Ibeka disent que le poste de premier ministre doit revenir aux militaires. Et tous les postes stratégiques sont aujourd'hui aux mains des militaires. Assimi Goïta est en train de faire asseoir son empire. Son empire qui va dominer sur les Maliens, qui va humilier les Maliens, qui va appauvrir les Maliens, qui va appauvrir le pays, qui va isoler le Mali. Les militaires, là, c'est ça, la vérité. À cette allure, ça devient pesant. J'ai longuement échangé avec le PN. Il m'a semblé très à cheval avec ses frères d'armes sur l'idée d'un régime totalement militaire. Je lui ai donné mon avis sur cette question et l'invité à faire preuve de résilience et de maturité. On lui demande par rapport à Sogol, comme on dit, Maïga, qu'est-ce qui se passe? Il dit pas d'information, mais j'essaierai après la prière. Bonne journée. Chers amis, c'était Patrick Zasso. Je voulais simplement conclure pour vous dire, la France est au Mali sous l'appel de l'ancien président Ibeka. La France est partie du Mali parce que Macron estime que lui, il a été élu, il ne traite pas, les militaires. Macron estime qu'il ne peut pas investir beaucoup d'argent dans les militaires. Et le point important que certaines personnes essaient toujours de me ramener. Non, la France a trahi le Mali. La France, ce qu'on l'a dit au Conseil de sécurité de l'ONU, il a été clair. Il dit que la France est partie d'elle-même sans informer le Mali. C'est la France qui est partie d'elle-même. Ce n'est pas le Mali qui a chassé la France. Arrêtez de mentir. Le Mali n'a pas chassé la France. C'est Macron qui a dit lui, il reste pas au Mali. Il s'en va. Pourquoi vous mentez? Vous pouvez chasser la France. Vous là, vous pouvez chasser la France. Si la France reste là et puis la France dit, elle dégage Macron, soit là, la France va le faire. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Vous pensez que la présence de la Russie dans vos systèmes vous aide? Non. La France et la Russie peuvent rester au Mali. Par des trucs bizarres, pendant des années, ils vont, le Mali va rester en conflit. La France là, vous ne connaissez pas la France. Hein? En matière de propagande et de communication dans le monde, ils sont premiers. Macron est parti, mais il est en Algérie. Il est en Mauritanie. Il est dans tous les pays. Il sait que Mali, là, ce n'est pas possible. Et il l'a dit hier. Il dit sans la présence de l'armée française, ce n'est pas ce qui leur reste. Parce que Macron connaît les mentalités des Maliens. Au Kawari, ils l'ont trop, ils aiment l'argent. Pour de l'argent, ils sont prêts à tout. Les Maliens, là, ils sont dans des conflits, ils ne s'aiment pas, ils ne s'attendent pas. Mali, là, c'est divisé. Mali est divisé, ils ne s'attendent pas du tout. Ils ne s'attendent pas du tout. Ils ne s'attendent pas. Assimi Goïta est en train d'isoler le Mali. Il ne veut pas aller aux élections. Regardez l'Ukraine. Est-ce que vous avez vu les États-Unis se lever pour aller combattre et la Russie combattre les États-Unis? Est-ce que vous avez vu la Russie combattre les États-Unis? Mais c'est en Ukraine que la guerre se fait. Alors que les Russes savent que c'est les États-Unis qui fournissent les armes et l'Europe qui fournissent les armes au président ukrainien. Tout ce qu'ils font, c'est des sanctions, ils prennent. Des sanctions diplomatiques et autres. Des innocents même sont sanctionnés. C'est le seul combat qu'ils font.
Mais ils ne peuvent jamais se lever pour faire la guerre entre eux. Jamais. Ils ne vont jamais faire la guerre entre eux parce qu'ils aiment leur population. On l'a connu en Syrie. La Russie est en Syrie. L'autre, l'Europe est... Mais la Syrie, aujourd'hui, vous arrivez là, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Ce que vous êtes en train de faire au Mali, là, ça va vous prendre beaucoup d'années. C'est moi qui vous dis ça. Ça va vous prendre beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ça va casser le Mali. Ça va fragiliser le Mali. Parce que la France, là, c'est son précaré. Le Mali est le précaré de la France. Et la France sait que si elle s'en va, la Russie ne peut rien faire. Poutine ne peut jamais venir officiellement au Mali. Il ne peut pas. Poutine peut passer par Wagner, qui sont des sociétés de gardiennage. Qui sont des sociétés de gardiennage pour vendre ses armes. Les armes qu'on vous vend là, on peut vendre ça aux rebelles, aux terroristes. Pour dire qu'il faut que vous essayez de revoir vos consciences. Essayez de voir vos niveaux de réflexion. Essayez de changer beaucoup de choses en vous. Le Mali ne mérite pas ça. Regardez l'Ukraine, la crise de l'Ukraine doit vous aider. Ce qui se passe en Ukraine, là, ça doit vous aider. Ça doit ouvrir vos yeux, vous les Maliens. Vous les supporters maliens qui soutenez, qui vous laissez manipuler par les Diom Soro, là, ouvrez vos yeux. Aujourd'hui en Ukraine, Poutine bombarde, les États-Unis, l'Europe envoient les armes. Le petit est là-bas. Ils ont détruit tout le pays. Ils ont détruit tout le pays. Ils ont utilisé le petit à fermer. Ils ont mis des armes pour le pousser à fermer la mer Noire. La Russie a vide dedans. Poutine dit ça là, on se bat ici. Il a signé puis les bombardes matin, midi, soir. Il a signé là, ça fait des milliers de réfugiés. Il sait. Pourquoi Poutine ne va pas bombarder les États-Unis rapidement? Pourquoi il ne va pas bombarder les États-Unis? Il ne peut pas le faire, ils sont dans un jeu de rôle. Ils sont dans leur business. Ils sont dans leur business. Poutine profite, il règle ses problèmes. Il profite, il va prendre la Russie, il va prendre l'Ukraine. La Crimée, ça a été la même chose. Il a pris la Crimée. Ici, là, le précaré de la Russie, c'est l'Ukraine. Quand ils ont signé les accords de Minsk 1, Minsk 2, ces accords disent que l'Ukraine appartient à Poutine. Donc, tout ce qu'ils vont se faire, ça va faire des guerres. Ici, la France, Mali, là, ça appartient à la France. Comme la France, Macron sait, Poutine sait que Macron est en Ukraine, mais lui, il peut venir vous prendre, vous, les Maliens, ici, pour vous donner quelques armes. Juste pour essayer d'embrouiller la France. Juste pour embrouiller la France. Mais la Russie ne viendra pas prendre ses armes pour faire votre guerre. Jamais. Ils vont vous avoir des mercenaires qui vont vous former. Mais ils ne feront jamais la guerre du Mali. Pour terminer avec ce point, parce que j'attends ça beaucoup dans la bouche des gens. La France doit faire la guerre. La France ne peut pas faire la guerre au Mali. Je suis désolé que c'est que beaucoup de Maliens ignorent. La France est au Mali pour ses intérêts, comme la Russie. Ce sont des pays impérialistes. La Russie est un pays impérialiste. Tous les pays tchétchènes, Ukraine qui veulent leur indépendance, leur souveraineté sont matin, matin, midi, soir. Tous les pays qui entourent la Russie. Ce que vous appelez indépendance, souveraineté, là, Poutine a mis la main dessus. Poutine, là, quand il a pris le pouvoir au temps de Gorbatchev et Boris Eltsine, c'est lui qui allait mettre de l'ordre en Tchétchénie. Il a pris les armes, il a pris les soldats russes, il allait mater tous ceux qui veulent faire révolution. Ce que vous êtes en train de faire au Mali, là, lui, il allait nous mettre de l'ordre, là. Si c'est Poutine, là, c'est la France qui est partie, il y a longtemps, Poutine a enlevé Assimi Goïta. Moi, je vous dis la vérité. Si c'est Poutine, là, il y a longtemps, lui, il a dégagé Assimi Goïta. C'est la vérité, comment je vous dis. Si c'est Poutine, là, il y a longtemps, il a mis de l'ordre hein, dans sa zone. Mais la France va faire souffrir encore plus le peuple malien. Ils vont rester là et puis, avec la Russie, ils vont jouer le jeu. Ils vont jouer le jeu. Parce que Macron sait que Poutine ne peut jamais venir chasser les terroristes. Jamais. Il va payer les armes, il va vous donner. Et puis entre eux, vous allez vous combattre. Vous allez vous attaquer, vous allez vous agresser. C'est l'impérialisme, toutes les puissances. Les gens qui fabriquent les armes. La Russie est une puissance aujourd'hui là. La Russie là, fait partie aussi des impérialistes. La Russie aussi a des conquêtes de quelques territoires. Il n'y a pas de pays qui peut vous sauver.
Les Occidentaux, les Russes, les Américains ne peuvent jamais vous sauver. C'est à vous de prendre conscience et puis vous mettre au travail. À vous de savoir équilibrer les choses. Mais si vous voulez dire non, on a chassé la France. La Russie va nous sauver, vous mentez, ce sont des amis. Ce sont des amis. La preuve en est que quand Poutine, Wagner est arrivé au Mali, Macron est allé demander à Poutine, au cours d'une cérémonie officielle, Macron-Poutine, et Macron demande à Poutine, est-ce que Poutine reconnaît Wagner? Poutine dit qu'il ne reconnaît pas Wagner. Non, ils sont dans un business. Ils sont dans un business. Ils sont dans un business. La Russie, là, au Mali, ça fait combien d'années? Depuis votre indépendance, la Russie, elle va. C'est maintenant que la Russie se réveille? Non, c'est un jeu par rapport à l'Ukraine. Demain, là, quand les deux vont s'attendre, ils vont vous abandonner. Au Mali, il y a quoi là-bas? Il y a quel intérêt? Il y a quel intérêt au Mali? C'est juste des jeux de positionnement. Sinon, Poutine, là, si Poutine veut libérer le Mali, les 60%, là, il peut le faire en une fraction de seconde. Il peut le faire. Lui-même, là, il est en train de s'organiser chez lui. La construction de l'Ukraine va coûter des milliards. Donc, Poutine, lui, vend ses armes. Parce que demain, il va reconstruire l'Ukraine. Tu vas lui prendre beaucoup d'argent. La Russie ne vous donnera jamais d'argent. La Russie va vendre que des armes. C'est l'Europe, les États-Unis, les pays qui ont l'argent. Ce sont eux qui ont l'argent. Nous, on essaie de conscientiser nos frères maliens qui se laissent de façon abusive, qui se laissent narguer. Parce que tu ne comprends pas. La Russie ne peut pas vous sauver. La Russie était au Congo. La Russie était en Centrafrique. La Russie était en sauce, comme on appelle ça, dans beaucoup de pays. Quel État ils ont sauvé? Ils ont sauvé quel pays? Moi, je soutiens Poutine parce qu'il a réussi à relever l'économie de son pays. Je soutiens Poutine parce qu'il a réussi à faire de la Russie une puissance internationale. Une puissance dans le monde. Il a réussi à imposer le respect de son pays. C'est pour ça que moi, je soutiens Poutine. Mais si vous pensez que je soutiens Poutine pour qu'en Afrique, ici, vous criez « Abat la France !» Bravo à la Russie, à bas la France, bienvenue à la Russie. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. À bas la France, on attend la Russie. La Russie ne peut pas vous sauver. Apprenez à vous sauver. Mettez vos enfants à l'école. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Ils n'ont qu'à se former. Ils n'ont qu'à commencer à fabriquer les avions, les armes, la science, partout. Faites-le, c'est ce que la Russie a fait. C'est la Russie arrivée là parce que les Russes ont travaillé. Mettez-vous au travail, arrêtez de narguer les gens. Aucun pays au monde ne peut vous sauver. Si vous ne prenez pas conscience vous-même. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire. C'est tout ce que moi j'avais à vous dire. C'est tout ce que moi personnellement, Zasso, j'avais à vous dire. Voilà. Moi, Zasso, là, c'est tout ce que j'ai à vous dire personnellement. Arrêtez de jouer les ignorants. Le président Ouattara, là, si demain il dit va en Russie, va en Russie. La Russie a plus d'intérêt en Côte d'Ivoire qu'au Mali. La Russie a la plus grande ambassade de la sous-région en Côte d'Ivoire. Ici, là, on a pétrole. Pétrole d'ici, là, la Russie a des... Ici, là, la Russie, là, a des barils de pétrole. A des... La Russie est dans des business de pétrole en Côte d'Ivoire. La Russie, là, est dans de gros business de pétrole en Côte d'Ivoire. Les intérêts que la Russie a en Côte d'Ivoire, là, ça dépasse le Mali. Allez-y, renseignez-vous, vous allez voir. La Russie a investi beaucoup en Côte d'Ivoire qu'au Mali. Si nous, demain, on veut mettre de l'ordre au Mali, là, si on veut frapper Assimi Goïta, on veut aller le botter, là, il n'y a même pas un pays qui va se mêler de ça. Il n'y a même pas un pays qui va se mêler de ça. Si nous, on veut mettre de l'ordre au Mali, là, on peut mettre de l'ordre. Que 49 soldats, on va aller le renverser au Ouattara. Et il y a des gens... Tu crois ça? Ouattara avait 49 soldats qui voulaient renverser Assimi Goïta. Et puis il y a des gens qui ont cru à ça. Il y a des gens qui continuent de croire à ça. 49 soldats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fusil, ils n'ont rien. Ils vont renverser Assimi Goïta. Et puis il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens qui croient à ça. Que 49 soldats qui arrivent à l'aéroport, ils arrivent à l'aéroport, ils ont leur bagage. Où il y a quelques vêtements. Et puis, avion même là, qui partait avec les armes là, avion là, c'est quitté au Mali. L'avion là, c'est quitté au Mali, c'est parti à une société.
Les gens arrivent, on les contrôle, ils n'ont rien. On dit non, ils voulaient faire mercenariat. Ils voulaient renverser Assimi Goïta. Et il y a des Ivoiriens qui croient ça. Parce qu'ils ont la haine pour Ouattara. Ils n'aiment pas Ouattara. Mais nous, on s'en fout de ça. Vous l'aimez où? Vous ne l'aimez pas où? Nous, on s'en fout. Vous l'aimez où? Vous ne l'aimez pas où? Nous, on s'en fout. Pour nous, les Ivoiriens consciencieux, responsables, ils développent la Côte d'Ivoire. C'est l'un des dignes fils qui protège le pays. L'un des dignes fils, après Oufouet Boigny, qui fait honneur à la Côte d'Ivoire. Il protège son pays, le pays est verrouilleux, il met le pays en chantier, il développe le pays, il crée des universités, des écoles, des hôtels, partout. Il attend de développer l'agriculture. C'est de ça que nous, on a besoin. Les gens haineux, là, ne nous intéressent pas. Les populistes, les démagogues, là, ne nous intéressent pas. Voilà. Portez-vous bien. Ah oui, oui, merci. Mac Deneval, Poutine, il connaît Ado depuis, toi-même, tu as tout dit. Hey, Poutine, là, c'est son ami qui est Ouattara. Vous connaissez le président Ouattara même. Si le président Ouattara dit demain, ça va Poutine, là, c'est fini. Il va verrouiller Mali, là. Parce que le budget de la Côte d'Ivoire, là, notre budget, là, prenez le budget du Mali, le PIB du Mali, et puis comparez à la Côte d'Ivoire. Nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Le Mali, c'est un petit pays. Il n'arrive même pas à payer nos 100 milliards qu'ils nous doivent. L'électricité, ils ne payent pas. L'eau, riz, tout, manger, c'est nous, on donne au Mali. Le jour où le président Ouattara dit, je m'en vais en Russie, parler à Poutine. S'il quitte là-bas, là, vous allez voir. Mali, là, va organiser l'élection. Ah oui, il va convaincre Poutine, il va dire, bon, il faut qu'on organise les élections. Ceux-là, c'est des voyous. C'est des voyous, la sous-région a besoin de démocrates comme toi. Ici, en Russie, toi, tu as gagné les élections. Tu t'es comporté comme un homme bien. Regardez là-bas, là, c'est les armes, c'est la violence. Les violations des droits de l'homme. Quand tout ça, on va mettre devant Poutine, vous allez voir demain, Poutine va dire, bon, monsieur le président Alassane Ouattara, prenons toutes les dispositions pour mettre de l'ordre dans la sous-région. C'est tout. C'est parce que notre diplomatie a des problèmes. Hein. Aujourd'hui, la diplomatie a des problèmes. Moi, je prie Dieu qu'après toutes ces crises, le président Ouattara essaie de revoir encore, de proposer d'autres diplomates pour qu'on aille encore à l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. C'était Zasso Patrick. Partagez la vidéo. Partagez énormément la vidéo. Ouais, Mokta a laissé votre laissé plus chérie une balayer, elle ne comprenait rien. Elle suivait Soro pour payer ses factures de l'eau, l'électricité. Elle a pris en charge Soro qui s'occupe de sa famille. Elle-même, elle a dit. Donc, elle veut tellement faire plaisir à Soro. De la prison, c'est Soro qui gérait les trucs. C'est Soro qui s'occupait de sa famille. C'est une go qui se cherche. Mais nous, là, on a dit la justice va régler ça. Les institutions existent dans nos pays pour recadrer les uns les autres. On a des institutions pour mettre de l'ordre dans notre pays. Chaque cadre fait, chaque citoyen fait sa part. Tu finis ta voyousie, nous on te met devant la justice et puis tu t'exprimes. Aujourd'hui, elle a fini, il n'y a qui, il n'y a rien. Tous les saoulés, ils sont à Paris là-bas. Chaque jour, en train de faire vidéo dans la voiture, au lieu de prendre billet d'avion pour venir maintenant manifester. Ils n'ont qu'à venir manifester maintenant, ils n'ont qu'à venir. Je les mets au défi, ils n'ont qu'à venir. Alors, Bus Célestin Goyi, comment tu vois mon frère Célestin? Il faut que toi et moi on se voit, hein, on a beaucoup de projets là. Merci Sanogo, merci Célestin, merci à vous tous. Mais Koulibaly, ce n'est pas une affaire de couilles, vous l'avez libéré. De toute façon, vous avez enlevé Ibeka là, c'est comme ça que vous allez voir ça demain. Nous, on vous laisse le temps. Est-ce qu'on t'a dit que les soldats là, ils sont malades? Non, leurs parents, on leur a donné ici. Chaque famille a 500 000 francs par mois. Et puis là-bas, là, vous allez leur donner à manger, vous allez vous occuper d'eux. Vous allez bien faire. Donc, ce qui fait que maintenant, vous êtes coincé. Parce que vous avez pensé qu'en les gardant, ça allait, on allait courir chez vous. Vous demandez pardon. Non, Assimi Goïta, pardon. Avant de, on ne le fait pas. On ne va jamais le faire. Ceux-là, ce sont des soldats, ce sont des guerriers. Ils savent que dans leur mission, beaucoup de leurs amis sont morts. Beaucoup de leurs amis ont été victimes de ça. Eux aussi, ce sont des victimes. Ce sont des otages. Ils s'assument. Et ils vont sortir tôt ou tard. C'est pas vous qui envoyez vos frères imams d'ici pour aller au Mali demander pardon.
On dit les hommes religieux sont allés. C'est vous-même. Vous partez au Togo. Vous êtes allé au Sénégal. Maintenant, vous venez chercher vos frères là. Ils n'ont qu'à aller demander pardon. On dit délégation des religieux. Quand les délégations des religieux? C'est vos frères qui sont ici là, qui sont allés là-bas. Vos frères qui sont ici là, c'est eux qui sont allés là-bas. Parce que vous êtes condamnés à trouver des solutions. Vous êtes condamnés à trouver des solutions. Nous, là, Ivoiriens, on ne nous fait pas chantage. Nous, Ivoiriens, on ne fait pas chantage. Nous, on vous donne à manger, on s'occupe de vous, on vous donne tout. Et puis, vous allez faire nous faire du chantage parce que vous avez nos soldats. Mais vous allez les libérer. Ces dignes fils-là, vous allez les libérer. Quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que c'est vous qui allez dépenser dans leur santé, leur nourriture, tout. On attend votre justice. Nous, on est pressés. Vous arrêtez des gens, vous les traitez des mercenaires, et puis vous dites maintenant, allons devant la justice. Quelle justice? Vous avez déjà fait la justice? En les traitant de mercenaires, vous avez fait la justice. Vous les arrêtez, vous les envoyez devant le procureur, on fait justice, puis on dit en réalité, ce sont des mercenaires. Mais vous-même, vous les avez traités de mercenaires. Maintenant, votre justice, ça va dire quoi? Libérez-les, on va quitter ici. Vous voulez ou vous ne voulez pas où vous allez les libérer. Vous voulez ou vous ne voulez pas où vous allez les libérer. Nous, on ne cède pas à vos chantages. Nous sommes un grand pays. Nous sommes un pays puissant et fort. Soutien total à nos forces de défense et de sécurité. Je suis fier de notre armée nationale. Les gens pensaient que les soldats allaient se soulever, faire un coup d'état, renverser Ouattara, occuper les rues, faire ceci, faire cela. Nos soldats démontrent chaque jour qu'ils sont une armée à une dimension internationale. Ce n'est plus cette armée qui va faire des coups d'état, renverser les présidents. Et ils sont en train de... Moi, je vous dis la vérité. Les gens dans leur plan, j'ai dévoilé leur plan depuis le premier jour. J'ai appelé mes aînés, je leur ai dit, dites au président de ne pas céder. Les gens veulent faire du chantage. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Ils veulent soulever l'armée. Ils veulent soulever les militaires. On ne va pas céder. Oui, il pensait soulever l'armée de Côte d'Ivoire. C'est ce que Soro leur a dit. Soro a dit, si tu arrêtes les forces spéciales, après une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, ils ne les libèrent pas, ils vont se renverser contre Ouattara. Mais nous, on a déjà préparé tout, les jours vont venir, l'État va s'occuper d'eux. Ah oui, on va les recevoir dignement. On va remplir leur compte bancaire, ils vont dormir tranquille. Et puis nous, on est serré. Pas nous, on est fort. Voilà, merci, merci à tous ceux qui soutiennent nos forces de défense et de sécurité. Partagez énormément cette vidéo envoyée à Venu. Il faut vraiment être con pour croire que 49 soldats sans armes peuvent renverser quand même un système depuis l'armée. Pour renverser Assimi Goïta, il faut aller à Kati. C'est à Kati, il est dans un camp. Des gens sont... Assimi Goïta ne vit pas à Bamako, il vit à Kati. Donc pour renverser Assimi Goïta, le pouvoir d'Assimi Goïta, c'est de Kati. C'est de Kati qu'on fait les coups d'État au Mali. C'est de Kati qu'on renverse tous les régimes au Mali. Parce que Kati, Bamako, c'est quelques minutes. C'est de Kati que tous les coups d'État se font au Mali. Donc si on veut renverser quelqu'un, c'est à Kati, on prend. Un matin, on prend le camp, c'est fini, on a renversé Assimi Goïta. On n'a pas besoin de 49 soldats. Même si vous n'avez pas été à l'école, nous, on vous explique, comprenez aussi quand même. Mais vous vous torturez à ne pas comprendre ce qu'on vous dit.